Eh bien, salut tout le monde, c'est Serge Jean-Michel pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau podcast. À votre avis, qui sera sur quoi? Allez, devine. Non, franchement, mec, t'es nul. C'est écrit là en dessous. Tu sais pas lire. Ah, d'accord, t'es un alphabète. Bon, d'accord, je vais t'aider un peu. On se retrouve pour un nouveau podcast sur les examens. Tu sais ce que c'est un examen, au moins? Tu sais pas? Tu vois ces trucs qu'on passe en fin d'année de troisième ou de terminale, tu vois, le bac, le brevet, ça t'éclaire maintenant? Toujours pas? Bah alors regarde cette vidéo tout simplement. Alors déjà pour commencer, dans les examens, généralement, tout le monde est stressé. Oui, parfois, tu sais pas pourquoi, mais t'es le seul à pas être stressé. Tu dis qu'en fait, c'est juste un gros contrôle. C'est juste un gros contrôle qui n'est pas sur une leçon, mais sur 95 leçons. Ce n'est pas pareil. Mais sinon, ce n'est qu'un gros contrôle. Pas de quoi se stresser. Tant que t'as révisé, voilà. Si, lors des examens, t'as toujours un mec qui va te dire « Oh, j'ai foiré !» Et le mec, en fait, il va se taper une bonne note. Ou alors, le mec qui te dit « Oh, j'ai vachement réussi !» Mais en fait, il a une mauvaise note. Il y a plein de gens comme ça. Ou on a aussi le mec qui évalue sa note, genre, il va te prédire quelle note il va avoir. Franchement, il est fort celui-là. Il a peut-être un don, ce mec, on sait pas. Oh non, je crois que j'ai complètement raté. Jean, 18. Hé les mecs, j'ai eu 18. Ce soir, champagne pour tout le monde. Alors là, franchement, je l'ai réussi. C'est violent, quoi. C'était trop facile, le truc en une heure. J'étais tout bouclé. Alors, Jean 2. Bon les mecs, moi je pense que j'ai un petit caisse. Qui dit plus, qui dit moins? Les paris sont ouverts. 50$? 20 euros? Mec, des francs? Les francs, ça s'achète plus, hein. Ok, tout est ok, ok, on verra. Qui aura gagné? Aussi, lors des examens, tu révises toute une année scolaire. Et une fois arrivé là, sur chaque leçon, t'as une ou deux questions. Alors tu viens d'apprendre une leçon de 15 pages et il y a deux questions qui te sont posées là-dessus. Tu dis, ouais, c'est vraiment mal fait ce bordel. Ouais mec, tu vois la leçon sur 198 pages. Ouais mais il n'y a aucune question dessus en fait. Eh oui, c'est la merde. Aussi, pour les examens, quand il y a des mecs qui te surveillent dans la classe, t'as le mec en fait, tu fais à peine un faux mouvement ou tu fais tomber quelque chose par terre, il croit que t'as caché un anti-sèche dedans. Si tu veux le faire passer par le sol, enfin, ils sont fous, ils vont jusqu'à croire que tu vas cacher des trucs dans des trucs les plus petits au monde. Allez, c'est parti! Ah mince! Voyons Michael! Donne-moi ce bic immédiatement! T'aurais très bien pu cacher une antisèche dedans! Ne mens pas! Fais-moi voir ça d'abord! Si vous voulez. Et bien voilà, ce podcast est terminé. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, me suivre sur Twitter. J'espère que ça t'aura plu. Je sais que ça fait un certain temps que j'avais pas fait de podcast. J'ai été un peu absent parce que voilà, j'ai eu mes examens. Enfin voilà, j'ai dû quand même faire un petit peu une petite pause, tu vois. Je voulais aussi jouer à des jeux vidéo avec mes potes. Enfin, et tout sur ce, à plus. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai envie de faire un peu de pub pour la chaîne musicale de Garden Pot. Donc, un pot dans un jardin, ça veut dire en français traduit. Donc, la chaîne de Garden Pot, ses musiques sont vraiment sympathiques. Donc, si vous aimez bien la bonne musique, je vous invite à aller y faire un tour. Et pourquoi pas vous abonner, ce serait fort cool. Et je vous mettrai le lien de la chaîne de Garden Pot dans la description. Et sinon, bye tout le monde !